Hey, salut tout le monde, c'est Pam Vanille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le rêve onirique de votre ville. Aujourd'hui, on est chez... Alors, son pseudo YouTube, c'est... Goma, je crois? Attendez. Et la fille qui prépare pas sa vidéo, c'est moi. C'est Goami. Et là, on est dans la ville de Paris. Du coup, elle s'appelle Anna. Goapana. Li Koidia. Ouh, ça sonne un peu exotique, ces prénoms. Donc la ville a l'air d'être pas mal. Déjà, la première vue, il y a plein de petites fleurs. L'arbre, il est déjà pas mal. Par où commencer? On commence par le commencement, hein. Donc, est-ce qu'il y a des petits motifs? Oh. Donc pareil, je vais être un peu perdue, je le sens. Une horloge florale. Déjà, ça commence bien. C'est très très fleuri ta ville, déjà, pour commencer. Alors, voici son code onirique si vous souhaitez la visiter. Donc, je vous y invite, évidemment. Hein. C'est quoi par terre? C'est comme des petites... Ouais, c'est des petites fleurs. On dirait des petits tournesols super mimi. Petite grenouille. Hey. Yeah. Alors, on va regarder ses habitants tout de suite. C'est Rekat, Gladys, Vladimir, Didi, Pouli, Rosie. Oh, Rosie, Ethan, Pachi et Martin. Ok, d'accord. Donc, elle est toute petite là. Ah non, j'ai cru. Non, c'est pas elle, sa maison. Ah, c'est là la maison. C'est tout naturel. Ah oui, effectivement, ta ville est très, très, très naturelle. Ah, t'as aussi la caserne. Ça, la caserne. Salut, Pachi. Il y a aussi la caserne. Ah, toi, tu l'as fait moderne. Ok. Oh. Des sols en briques. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre par là? Ah, ça c'est la plus grande maison, donc on va aller visiter celle-là. Oh, toi aussi t'as un kimono! Ah oui, mais non, je l'ai pas là. Exocac. Ah, je crois que c'est du russe. Je crois que c'est du... Ou... Je sais que Exo, c'est un groupe de K-pop, mais peut-être que c'est pas ça. Moi, je dis ça, je dis rien. Voilà. Sinon, il y a une autre maison, un petit peu plus grande. Donc, oh, il y a des œufs de Pâques. C'est quoi ça? Paire de bottes à lacets. Veste dragon. Ouh. Qu'est-ce que c'est que ça? J'aime bien être curieuse quand il y a des trucs au sol comme ça. Oh, pardon, excuse-moi. J'ai écrasé une fleur. Pardon. Je sais que c'est pas sauvegardé, mais c'était pas intentionnel. Hop. Alors. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de fleurs. C'est pas mal. C'est cool. Qu'est-ce que c'est, ça? Qu'est-ce que ça représente? Une fleur? Une feuille? Mystère et boule de gomme, j'ai envie de vous dire. C'est écrit quoi? Ne pas courir SVP. Pas courir dans mes fleurs. Donc, oh, c'est mignon là. Mary. Oh. C'est bien parce que c'est toi qui. Ouais, je pense que c'est toi qui les as fait. Tes panneaux, c'est super mignon. C'est trop cool. Donc, on va aller visiter la. Attendez, je suis perdue. La plus grande maison. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi, n'hésitez pas surtout à me mettre vos codes oniriques dans les commentaires parce que là, ma liste, j'ai plus personne sur la liste, du coup, j'ai plus personne à visiter, quoi. Et du coup, ça serait cool si vous m'envoyez vos codes oniriques pour que je visite vos villes, s'il vous plaît. Merci. Alors, j'aime bien sa maison, ça fait... Avec la musique, ça va super bien. Country Kéké. Oh, salut. Ça va? Oui, bonjour. Un chat fétiche. Miaou. Oh, le kimono accroché. Faux micron. Elle, je ne sais plus non plus comment elle s'appelle. Odile. Oh, Odile. C'est mon troisième prénom. Et là... Oh, regardez sa tronche. Regardez-moi cette tronche.
Vous voyez comment il est en colère. Milos. Personne ne fait attention à moi. Oh, pauvre petit pupeur. Oh non. Oh, j'adore la petite bouteille de lait. Moi, j'ai juste récupéré une plaquette de beurre. Parce que ça, on peut les avoir le jour des récoltes. Et ouais, j'ai juste récupéré une plaquette de beurre, moi. Oh, petite toilette. Petite salle de bain. C'est tout petit, c'est trop mignon. Oh, et là, c'est la chambre. Elle a commencé la collection cœur. Et là... Attendez, comment s'appelle-elle? Elle est restée longtemps dans ma ville en plus. Nadia, je crois. Oh mon dieu, je suis trop douée. Alors, quels sont les derniers potins? Ok. Ok, ok. Ah, attendez, lui... ou elle, je sais pas. Elle. Elle, c'est Pamela? Elle a un mono-sourcil, ouais. Faut jamais dire jamais. Exactement. Et là, c'est le salon, on va dire. Alors, voilà, on a fait le tour de la petite maison. Donc, qu'est-ce que je peux dire sur ta ville? C'est vrai que c'est super naturel, on sent vraiment que t'as voulu faire ouais, un truc naturel. Mais si je peux te donner un petit conseil, il faudrait que tu mettes, comment dire, les fleurs, tu vois, ça fait très... Désolée, mais ça fait très désordonné, en fait. Il faudrait que tu arrives à mettre couleur par couleur, ou genre mettre deux couleurs, ou quelque chose comme ça, pour que ça fasse plus harmonieux, tu vois. Mais à mon avis, t'es encore en train de la faire, ta ville. Alors, te décourage pas, et genre, je suis sûre que ça va être super beau à la fin. Donc, ouais, ça serait bien aussi que tu mettes plus, tu sais, de petits buissons comme ça. Ça serait vraiment cool. Ça serait super cool. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'ai été contente de visiter sa ville, la ville d'Anna ou de Goami, de voilà. Donc surtout n'hésitez pas à me laisser vos conneries en commentaire et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bisous.